Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bon appétit aussi. Oui, si ce n'est déjà fait. Peut-être, oui. Ça va bien depuis hier, Dali? Oui, ça va très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on va faire un petit tour en arrière, car il y a quelque temps, j'avais enregistré un 30 cm qui s'appelait « Coup de chapeau au passé ». J'ai voulu rendre hommage aux belles mélodies des années 40 et 50, car j'estime, moi, je me suis fait un plaisir immense à les chanter, mais je crois que les chansons font partie de notre vie. Et alors, chaque chanson a un souvenir. Voilà. Et j'ai pensé aussi faire plaisir au public que d'entendre ces chansons-là, mais enregistrées avec une orchestration moderne et enregistrées aujourd'hui, bien sûr. Alors, finalement, en interprétant des chansons anciennes qui ont été des grands succès, c'est une façon de recréer l'histoire des personnes qui écoutent cette chanson, un petit moment de leur vie. C'est exact. Alors, parlez-moi d'amour. Mon amour, c'est le chaland qui passe. Je pense que tout le monde la connaît. Bien sûr. De vous souvenir, j'espère, pour vous tous, avec Parlez-moi d'amour, par Dalida. De la première chanson de Dalida, Serge Liffard. Oui, je connais, bien sûr, tout le monde. Dalida, je fais les présentations, c'est pour avoir l'air. Mais je sais que vous vous connaissez. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir, Serge Liffard, sur ce plateau. Et il y a quelques instants, Dalida nous parlait d'hommage qu'elle rend à des chansons qui ont eu énormément de succès. Eh bien, cette année, le 18 octobre, à l'Opéra, eh bien, il y aura un hommage rendu à Serge Liffard pour vos 72 ans. Je le dis, votre âge, hein, parce que comme vous ne le faites pas, je crois que c'est un compliment et que vous oui, j'ai dit tout à l'heure que voilà, il y a quelqu'un qui m'a rencontré dans la rue. Elle a dit ça, dites-moi s'il vous plaît, je m'excuse de vous déranger, est-ce que vous êtes les fils de Serge Liffard? J'ai dit oui. C'est merveilleux.
Et on a demandé de complimenter mon père. C'était moi-même. Mais alors, il faut nous donner le secret. Oui. Est-ce qu'il y a un secret? La danse. Les secrets, la vie heureuse, faire ce qu'on aime. Et vous avez... Heureux, ce n'est pas les mots, mais en tout cas, la vie au travail. C'est ça. Mais vous êtes Parce que tout le monde ne peut pas danser, bien sûr, mais c'est le travail, c'est ça? Oui, c'est le travail et en même temps, la joie que la danse peut vous procurer. Ainsi, donc, depuis un mois, je suis dans cette grande maison et alors j'ai retrouvé la troisième génération, au fond, de danseurs. Et je suis ravi parce que, en dehors de ces étoiles magnifiques qu'on va vous présenter tout à l'heure, dans un de mes ballets, il y a une jeunesse extraordinaire. Et moi, je suis très heureux de cet hommage à moi que M. Lieberman, administrateur, fait à mon honneur, en m'appelant reproduire mes trois ballets de différentes, si on peut dire, tissus artistiques, n'est-ce pas? Il y a un ballet qui danse. Par la danse, c'est Suite en blanc de Lalo. Dont nous verrons un extrait tout à l'heure. Oui, on verra tout de suite, avec les étoiles magnifiques, qui est Mademoiselle Tesmar et Monsieur Michel Denard. Donc, c'est l'exemple. Malheureusement, les plateaux ne peuvent pas permettre de donner tout leur maximum, n'est-ce pas, d'expression. Et puis, il y a Phèdre de Georges Auric, avec les décors costumes de Jean Cocteau. Et le défilé. Oui, les mirages de Soguet et de Cassandre, dans ma chorégraphie bien sûr, et surtout ce qui fera naturellement la joie de vous tous, c'est les défilés qui englobent en soi 200 personnes. Voilà. Un extrait de Suite en blanc par Guylaine Tesmar et Michael Denard. Thank you.
sur cette scène. Tour de force. Merci Guylaine Tesmar, merci Serge Lippard, merci Michael Donnard pour ce moment de beauté avec cet extrait de Suite en blanc. Je vous rappelle, un grand spectacle, un grand hommage à l'opéra le 18 octobre, un hommage à Serge Lippard.